Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer juste un petit gameplay. Alors comme vous pouvez voir dans le titre, c'est la chance de ma vie. Un truc de ouf, non mais je sais même pas comment je vais l'appeler, mais genre un truc avec la chance dedans, tu vois, c'est obligé quoi. C'est tellement un truc de ouf. Oh, vous allez voir ce qui m'est arrivé. Alors déjà dans un premier temps, on regarde un peu les troupes, enfin on regarde les cartes plutôt. Alors déjà il a dû PK à niveau 3 quand même, hein. Non mais attends, respect quand même au mec. Il a dû sortir niveau 2, hein, voilà, donc respect encore une fois, bon c'est pas non plus énorme, mais voilà. Il a quand même des hordes de gargouilles niveau 9, c'est énorme, des barbares niveau 9, un extracteur d'élixir, voilà, bon niveau 5, quoi, c'est pas non plus énorme. Après une autre épique, oh mais il a que des épiques le mec, il a un prince niveau 2, bon jusqu'à rien d'exceptionnel, et un sort de gel niveau 2. Oui, les flèches, niveau 9, ne pas oublier. Donc, il a pas mal de cartes niveau 9. Franchement, c'est what the fuck. Alors, au début, j'étais partant pour vous faire style. Tu vois, je fais un petit montage. Genre, j'ai du 1 à 3, tu vois, inverser les chiffres et vous faire croire que j'avais perdu. Et au final, boum, au dernier moment, vous voyez et tout, que j'ai gagné et tout. Sinon, je me suis dit, c'est un peu con, parce que du coup, dans le titre, je dois remettre, putain, j'étais pas loin, tu vois, et donc du coup, c'est pas très intéressant, tu vois. Alors que là, si je vous mets dans le titre, ouais, j'ai eu de la chance et tout, machin, voilà, là, vous savez pourquoi vous venez, vous savez que vous allez venir parce que j'ai eu un truc, enfin, j'ai fait un truc de fou, tu vois. Alors que, bah, sinon, bah, si vous voyez que, oh, j'étais pas loin, mais finalement, j'ai perdu, bah, au final, vous allez vous dire, bon, c'est de la merde comme gameplay, moi, je me casse, tu vois. Bah, ouais. Donc, du coup, vous allez pas pouvoir profiter de ce gameplay de malade, mon gars. Vous allez voir, c'est un gameplay de ouf. Alors là, déjà, dès le début, je montre qui c'est le patron, tu vois. Dès le début, je récupère mon petit géant. Ouais, normal, lui, il met son petit extracteur, donc normal, hein. Là, je mets mon petit géant, je mets mon petit ballon. Alors, je pense que ce qu'il a mal fait, il aurait peut-être dû mettre le gel au lieu de mettre la horde. Ouais, je pense que ça aurait peut-être un peu mieux passé. Alors là, mais... Oh, non, mais vous avez eu ça un peu. Oh, dès le début, j'ai même pas mis mon sort de rage, hein. De toute façon, je pouvais pas, j'avais pas assez d'élixir. Et là, oh, mais je l'ai... Pouh, je l'ai ratatiné. Alors là, je vois le PK. Je me dis... Je pense que je suis un peu dans la merde, parce que le PK, avec les troupes que j'ai, c'est limite impossible à défendre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je mets ça, histoire d'essayer un peu, quoi. Mais elle se fait vite un peu défoncer, hein. Bon, malheureusement, ça va lui permettre... Non, mais regardez-moi ça, comment tu veux défendre contre ça? C'est impossible. Et du coup, ça va lui permettre quand même de prendre un petit peu de ma tour, quoi. Enfin, il a réussi quand même à toucher ma tour, quoi. J'ai pas réussi à suffisamment défendre. Faut dire aussi, bah, avec ça, c'était limite impossible, hein, franchement. Quand tu veux défendre ça, boum, le mec, voilà, direct. Lui aussi, il montre qui c'est le patron, tu vois. Il fait, ah ouais, toi, tu m'as niqué, bah moi, je vais te niquer aussi, tu vois. Donc, malheureusement, alors là, le fail. Je tire mes flèches en pensant que les gargouilles vont venir dessus, tu vois. Et en fait, non, il y a mes gargouilles qui sont sur le côté, qui emmènent les gargouilles. Du coup, bah, j'ai fail. Du coup, là, j'ai mis aïe. Et il s'est énervé. Donc, du coup, je me dis, merde, est-ce que c'est parce que j'ai dit aïe ou est-ce que parce que c'est... Ouais, tout simplement, il s'est énervé comme ça. Donc, j'ai pas trop compris. Bon, enfin, bon. C'est pas grave, hein. Voilà, donc, bah, pour l'instant, je me dis, comment je vais faire pour gagner? Le mec, il a des troupes de malade, il a un PK de malade, et je me demande comment je vais faire pour gagner, parce que franchement, c'est chaud patate, et ça s'est joué, mais c'est limite, je pensais que j'allais jamais y arriver, parce que ça s'est joué tellement à que dalle. Alors là, franchement, ce qui m'a sauvé, c'est ce combo-là. Regardez-moi ça. Oh là là, ça lui a enlevé plus de la moitié de la vie de sa tour. Et c'est ce qui m'a sauvé, seulement quand j'ai vu ce qui arrivait, je me suis dit, bah là c'est mort. Là c'est mort, j'ai perdu. Là, vu le délire, vu la quantité de troupes, je vais mourir. Avec le PK qui est limite invincible, la quantité de troupes qui va bien avec, bah c'était pas possible de gagner. Franchement avec ça, comment tu veux gagner devant ça? Regardez-moi ça. Et bah du coup, je me suis dit, bon, on a un combo ultime, qu'est-ce qu'on fait? Et bah on le balance. Mais ouais, c'est la seule chance, on peut pas faire autrement. Donc on arrête de défendre et on balance le combo ultime. Bah, par sécurité, j'ai envoyé une petite troupe quand même. Regardez. Oh, le ballon qui va tout détruire. Regardez. Vous avez vu un peu? Non, vous avez vu quand même le... Oh, regardez quand même 239 points de vie qui me restent. Avec les barbares qui arrivaient. Franchement, j'ai cru que j'étais mort. Seulement le ballon qui arrive à temps. Donc, pour bien vous montrer... Vous inquiétez pas, pas besoin de revenir en arrière.
ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais faire un ralenti. Et puis voilà, hein, donc on se dit à tout de suite, allez c'est parti. Alors en premier, on va tout simplement voir le ralenti de ma tour à moi. Donc regardez-moi ça les gars, regardez-moi ça. Vous avez vu un peu? Non mais regardez comment, oh, le ballon là. Mais vous avez vu, il fait tout péter, le ballon et tout, tranquille ou pépère. Franchement, un truc de malade. Grâce au ballon, j'ai pu gagner. Et vous avez vu un peu comment le ballon, il fait le taf là. Il a fait le taf, mais c'était limite. Mais il a fait grave le taf. Voilà, donc là on a vu le ralenti du ballon. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le ralenti des barbares en bas pour voir un peu ce que ça a donné aussi. Vous allez voir que c'est limite aussi, c'est un truc de fou. Donc on se retrouve pour voir le ralenti des barbares. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Donc regardez bien les barbares et tout. Regardez un peu, ils foncent droit sur la tour. Mon dieu, ils foncent droit sur nous. Et regardez-moi ça. Vous avez vu un peu? Mais un truc de fou. Ils sont là, mais c'est limite. C'est tellement limite que je me suis un peu pissé dessus, quoi. Ah, si. Ah ouais, non, parce qu'en fait, c'est dur de voir son ballon en train de défoncer la tour et de voir en même temps les barbares. C'est dur de voir les deux. Donc moi, j'étais fixé sur les barbares. J'ai dit non, mais c'est pas possible, je vais perdre, tu vois. Et là, le ballon qui a tout défoncé, j'ai fait non. Tu vois, genre, toi, t'es fixé sur les barbares et d'un coup, tu vois 3 étoiles au-dessus comme ça, gagner et tout. Tu vois, putain, t'y crois pas. Oh là là, et c'était un truc de fou. Franchement, spectaculaire. Enfin bon, donc c'était un petit gameplay comme ça, histoire de vous montrer. Histoire de vous montrer le petit gameplay, parce que moi il me semblait plutôt sympathique. Donc je me suis dit pourquoi pas montrer, hein, quand on a des trucs qui sont beaux comme ça. Et ben on montre, on fait partager. Et puis voilà, donc moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, et n'oubliez pas, restez cool. Ah là, t'as cru que j'allais faire je sais pas quoi là, que j'allais te demander de faire je sais pas quoi. Non mais attends, t'es complètement fou toi, t'as cru que je t'ai pris pour un esclave? T'as cru que je t'avais pris pour un esclave? Je vais pas te demander de faire quoi que ce soit mon gars. Mais t'es complètement fou. J'ai toujours voulu faire ça. Je sais pas pourquoi. C'est parce que à chaque fois que je dis et n'oubliez pas, je sais pas, ça me fait penser à un truc, tu vois, que les gens disent. Mais je sais pas. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas un moment dire un petit délire comme ça, tu vois. Ça, je sais pas. Voilà. Enfin bon, moi je vous laisse. Et puis n'oubliez pas, restez cool.